26 mai, c'est un jour maudit pour le Real. 26 mai 2018, départ de Cristiano Ronaldo, il quitte le Real Madrid. 26 mai 2021, 3 ans plus tard, c'est l'adieu de Zidane, il quitte Madrid après 20 ans. La dernière fois, c'était un au revoir. Cette fois, c'est un adieu, je ne le vois plus jamais revenir du côté du Real. Et ça m'a permis de retrouver cet objet que j'avais depuis de longues années. Cette photo de Zizou avec son autographe lorsqu'il était au Girondin. Alors bien sûr, elle a vécu, hein. Elle a vécu dans les tiroirs, etc. Donc ça fait mal, hein. Ça fait mal. Mon choix numéro 1, et je pense que c'était le choix de tous les madridistes, c'était que Zidane reste avec un meilleur effectif. Hier soir, il a démissionné. Il a allé voir Florentino pour lui dire qu'il ne voulait pas continuer. Alors ça veut dire plein de choses. Est-ce que ça veut dire qu'il avait déjà pris sa décision avant de parler à Florentino? Est-ce que c'est Florentino qui n'a pas réussi à le convaincre malgré des potentiels recrues? Donc ça voudrait dire en sous-marin, mec, finalement il n'y aura pas tant de recrues que ça cet été à cause du Covid. Je ne sais pas. En tout cas, Zidane claque la porte une deuxième fois, quitte Madrid après je sais quoi, 11 trophées, 3 Ligues des Champions, 2 Ligas, 2 Supercoupes d'Espagne, 3 Mondiales des Clubs. Le seul trophée qui lui manque finalement avec le Real, c'est cette fameuse Coupe du Roi qu'il n'aura jamais gagnée. Alors ce deuxième mandat était moins éclatant que le premier, en même temps il ne pouvait pas faire mieux. C'était pourquoi déjà on était un peu sceptique sur son retour. Quand tu as fait 3 Ligues des Champions en 2 saisons et demie, tu avais fait le maximum possible. Donc ce mandat était moins éclatant, mais pourtant, et c'est ça qui est paradoxal, j'ai trouvé Zidane plus fort en tant qu'entraîneur lors de son deuxième mandat, parce qu'il avait un effectif de moindre qualité par rapport à son premier mandat. Mais j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup plus adapté. Il a chanté plus de choses, il était beaucoup plus flexible sur ses méthodes. Alors que la première fois, il avait son 4-3-3, il ne changeait pas. Cette année, on l'a vu dans la difficulté. Et je pense que justement, cette année de difficulté, qui aurait été terrible pour lui, 60 et quelques blessures, il n'a jamais eu son équipe titulaire. Mais je pense que ça va lui servir dans le futur. Parce qu'avoir entraîné ce Real cette année, quand tu as été menacé d'être viré à 3 reprises, que tu n'as jamais eu ton équipe titulaire, que tu as toujours eu des pépins, que tu n'as pas joué dans ton propre stade, Zidane sort grandi de cette épreuve. Alors que c'est sa première saison blanche, je pense qu'il a été vexé. Je pense qu'il a aussi été vexé des critiques de son propre club, vu qu'il a été menacé à plusieurs reprises. C'est la pression des grands clubs, c'est la pression du Real Madrid, un club si particulier. Et pourtant, Zidane paraissait être le meilleur entraîneur possible pour prendre la suite. Parce que c'est un club tellement particulier, il connaît ce club par cœur. Il n'a pas eu les moyens de briller. Et c'est ça le regret qu'on aura avec Zidane pour son deuxième mandat, c'est qu'il n'aura pas eu les moyens de briller. Pas de recrue, un mercato qui aura été quand même désastreux avec Hazard. Mais bon, Hazard, ça aussi, je pense que ça l'aura marqué de le voir rigoler quand même en demi-finale de Ligue des Champions, alors qu'il aura toujours défendu ses joueurs. Ce qui fait mal, c'est que c'est la fin d'une période dorée. T'as perdu Ronaldo. T'avais perdu Zidane, mais tu te doutais bien qu'il allait revenir à un moment donné, que c'était qu'un au revoir. Cette fois, tu le perds pour de bon. Tu risques de perdre Sergio Ramos. Tu vas perdre Marcelo. Bref, toute cette période dorée, ben voilà, c'est terminé. Donc, avant de retrouver, à mon avis, d'ailleurs, une période de gloire comme ça, avec 4 Ligues des Champions en 5 ans, pas sûr qu'on voit ça de notre vivant encore. Hein. Pas sûr qu'on voit ça de notre vivant. Donc, moi, j'en ai profité à fond. Ça a été un plaisir immense, intense. Je ne pouvais pas rêver mieux que mon ancien joueur préféré, coach, mon équipe préférée avec mon actuel joueur préféré et qu'il fasse tous ses trophées. Donc j'ai vécu ma meilleure période de foot. Et c'est vrai que avec tous ces départs, Zidane, Ramos, tous ces joueurs-là, quelle équipe! Mais quelle équipe avait le Real? Quand tu regardes le papier, c'était monstrueux. J'ai revu là il y a quelques jours une photo où tu avais la présentation de l'équipe en début d'année. Mais tu avais Gareth Bale qui était au top, t'avais Ramos sur le banc, t'avais Zidane, Ronaldo, t'avais une équipe monstrueuse. Et là, voilà, tu te retrouves maintenant avec Vinicius, Rodrigo, Hazard, ça fait mal. La chute fait mal. Alors, outre le départ de Zidane, où je m'étais préparé, je pense que l'ensemble des supporters du Real s'étaient préparés, mais quand c'est acté le départ, ça te fait un pincement au cœur. Donc on verra pour la suite, mais c'est vrai que d'avoir perdu Ronaldo et maintenant de perdre Zidane, ça fait bizarre. J'aurais voulu que Zidane s'inscrive un peu plus longtemps en tant qu'entraîneur. Alors je voulais pas qu'il fasse une Wenger ou une Ferguson, mais voilà, qu'il s'inscrive peut-être sur 10 ans avec la nouvelle génération, Mbappé, Haaland, Odegaard. Maintenant pour parler de sa future destination, je pense qu'il va attendre l'équipe de France. La Juve vient d'être prise par Allegri au moment où je tourne cette vidéo.
compliqué. Je ne le vois pas aller en Angleterre. Donc le Bayern étant déjà pris par Nagelsmann, je pense qu'il va attendre sagement l'équipe de France pendant un an, même si ce dernier a dit apparemment à ses joueurs qu'il voulait entraîner dès l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on va retenir de Zidane ? On va retenir évidemment qu'il a refait gagner la Liga à ce club. Il a relancé ce milieu de terrain, Modric, Kroos, Casemiro, qui était destiné à mourir. Mais il a fait émerger des nouveaux talents, Mendy, Valverde. Il a su donner à Benzema une dimension exceptionnelle en remplaçant par les chiffres et par la présence sur le terrain Cristiano Ronaldo. Donc beaucoup de choses positives à retenir pour Zidane malgré cette saison blanche. Nous on va le regretter et je pense que les Catalans sont bien contents de voir partir Zidane parce que c'était la bête noire du Barça. Depuis qu'il est revenu, zéro défaite dans le derby, zéro défaite dans le Classico. Et Zidane, il avait toujours cette petite baraka, ce supplément d'âme au Real qui faisait que les joueurs s'arrachaient jusqu'à la dernière minute. On l'a bien vu, après son premier mandat, ça a été un désastre. Il va falloir maintenant que le Real réfléchisse bien à son successeur. Donc Allegri s'est rayé. Maintenant, les pistes prioritaires seraient donc Conte et Raoul. On verra bien. Quel que soit, je pense, ce choix, je serai content, même si, j'aurais préféré quand même garder Zidane en choix numéro 1. Petit regret en termes de record, j'aurais aimé que Zidane reste quelques années de plus pour qu'il aille chercher ce record d'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real. Maintenant, sa suite de la carrière, ça sera l'équipe de France, ça sera sûrement un jour la Juventus. Est-ce qu'il reviendra au Real ? Personnellement, je n'y crois pas. Je pense que il a désormais tiré un trait définitif sur Madrid. Ça faisait quand même 20 ans qu'il était à Madrid, Zizou. Donc je pense que pour lui aussi, c'est un sacré déchirement de se séparer de cette ville. Voilà, ça fait bizarre. Je vous cache pas que j'ai été très déçu hier soir d'apprendre son départ. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez sûrement vu. Parce que je pense que c'était l'homme de la situation. Il avait les joueurs, il avait le respect de tous les joueurs. Aucun joueur ne bronchait. Quand Zidane disait de faire ça, les joueurs l'appliquaient sans broncher. C'est pas le cas dans tous les clubs européens. Je pense notamment au PSG. On voit que Pochettino est en train de faire machine arrière et de vouloir retourner du côté de Tottenham parce qu'il n'a pas les pleins pouvoirs. Les joueurs ont trop de pouvoir au PSG, par exemple. Donc voilà, c'est compliqué de gérer un grand club. Et Zidane avait cette faculté à maîtriser de main de maître ce vestiaire. Concernant le successeur, donc comme je disais tout à l'heure, compliqué, il y a Joachim Löw, mais je suis pas pour parce qu'il a pas entraîné dans un très grand club jusqu'à présent. Il y a Raoul qui a des avantages parce qu'il fait de très bonnes choses avec le Castilla, mais il manque d'expérience. T'as Conte qui lui va te faire gagner des titres à court terme, notamment les championnats, puisqu'il a gagné 5 des 7 derniers championnats qu'il a effectués, donc c'est un entraîneur winner, très contesté dans la communauté Real Madrid, en tout cas moi j'aime bien. Mais voilà, sur le court terme, Conte peut poser aussi des problèmes parce qu'il a un sacré caractère et c'est pas l'entraîneur qui s'inscrit dans la durée. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. On va bien suivre tout cela parce que l'actualité foot, elle est folle. Je vous l'avais dit il y a 2-3 jours, elle est folle. Tous les entraîneurs sont en train de se barrer. Donc, Allegri retrouve la Juve, donc Pirlo est viré, Conte quitte l'Inter, Zidane quitte le Real, Pochettino va sûrement quitter le PSG. C'est dingue. Et donc, avant d'avoir véritablement des mercato de joueurs, on va d'abord se concentrer sur le mercato des entraîneurs. Beaucoup de vidéos vont suivre dans les prochains jours. Donc, si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant, activez la cloche. La Juve, ça aurait été une destination que j'aurais bien vue pour Zidane, justement. Surpris qu'ils aient pris Allegri, parce que Zidane étant libre, je pensais qu'ils allaient se jeter sur lui. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous ressentez, évidemment, pour Zizou. Merci en tout cas pour votre fidélité. Je vous dis à très vite parce que ça peut être dès demain une nouvelle vidéo suivant l'actu qui est complètement dingue. Donc merci à tous pour votre fidélité et je vous dis à très vite les amis. Ciao.